gens, c'est Drag Survie. Aujourd'hui, on se retrouve sur Gold War en zombie, comme je l'avais dit normalement. Zombie. Alors, j'ai commencé à faire quelques manches, comme vous l'avez vu. J'ai coupé le sifflet des personnages qui parlent dans le micro parce que voilà, ça devient chiant. Donc, si ça vous intéresse, pour leur couper le sifflet, si vous les entendez tout le temps et que c'est tout le temps la machin quand vous venez en zombie ou quoi que ce soit. Vous allez dans les paramètres, vous allez dans les audios et vous coupez le volume des dialogues, comme ça vous ne les entendez plus. Ça c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui je vais tenter de me mettre en game mode, donc en invincible avec vous. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, comment il faut faire. Alors, pour ceux qui vont me dire ouais c'est de la triche tout ça, sauf que c'est pas si terrible que ça. Ce procédé-là est plus compliqué que les anciens BO, pour ceux qui ont été sur BO4, sur BO4, avec toutes les maps, donc Tag Totem, la map avec Pegasus, tout ça. Pour ceux qui connaissent un minimum les glitches de ces maps-là, je pense qu'ils vont se dire « Ah, c'est plutôt cool ». Sauf que ce glitch-là est quand même assez compliqué parce qu'il faut plusieurs choses. Donc il faut des cocktails Molotov et un hélico d'attaque et au minimum une guérison automatique, donc un réanimateur automatique pour vous, pour que vous soyez en game mode. Le mieux c'est arriver à faire ça dans les 17 manches avant les 20 manches, parce que sinon ça devient vraiment compliqué. Donc on va essayer de faire ça. J'ai déjà fait 5 manches en solo pour bien avancer, parce que je voulais pas non plus... voilà, les premières manches sont assez longues, donc je voulais pas non plus que ça soit trop long. Donc, sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je remercie encore ceux qui rejoignent la compagnie des dragons, et c'est parti. Donc bon, alors, comme vous le voyez, j'ai déjà un cocktail Molotov. Le cocktail Molotov, il le faut au minimum... dans les premières manches, pas obligatoirement dans les premières manches, mais soit vous pouvez le payer, soit les zombies vous leur filent. Donc pour ceux qui connaissent bien, moi je l'ai eu grâce à un coup de bol dès la deuxième manche. Voilà, et il faut donc le truc qu'il faut le plus dur, c'est des matériaux supérieurs pour avoir l'hélico d'attaque. Donc l'hélico d'attaque qu'il faut, vous pouvez avoir de la chance aussi de l'avoir par terre avec des zombies, mais c'est un peu plus compliqué de l'avoir avec les zombies. Mais vous pouvez avoir de la chance, mais c'est un plus gros pourcentage de chance quand même. Donc je vais vous montrer. Donc pour les cocktails, il faut du matériel matériel normal, et pour ici, il faut du matériel supérieur, donc tout ce qui est hélicoptère, voilà, ainsi de suite, tout ça. Et il vous faut une guérison qui, quand vous êtes en solo, qui vous la refile automatiquement. Donc, je vais quand même faire comme d'habitude. Moi, je vais aller jusqu'à ma manche solo, manche 10, en me laissant un petit zombie derrière moi. Alors je ne ferai pas tout le temps du zombie ou quoi que ce soit, parce que je sais que, ou même du multi, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui en font. Donc je vais pas non plus trop vous en faire. Et puis c'est vrai que la map zombie apparemment va être mise à jour au mois de février, du côté du mois de février, et nous sommes au mois de février, je suis en train de me remarquer ça. Donc normalement on aura un peu plus de chance d'avoir une nouvelle map qui sera plutôt, j'espère, sympathique. Et on va avoir notre premier matériel supérieur. Donc c'est parti. Alors c'est les manches qui sont un peu longues. Après, quand vous avez commencé à déclencher le courant, tout ça, ça devient un peu plus cool. Une fois que vous êtes en game mode, alors je n'ai jamais réussi, je vous le dis tout de suite, si je meurs et puis que je n'arrive pas à me mettre en game mode et que je meurs tout de suite, je ne referai pas, j'arrêterai directement à la manche, parce que sinon ça serait trop long,
Je sais qu'avec un ami, on a tenté, retenté, retenté. En duo, c'est très compliqué. Donc, voilà, c'est... Pourtant, apparemment, il y en a, ils arrivent à le faire du premier coup. Mais moi, je n'ai pas encore réussi, comme dirait l'autre. Si, alors, faut vraiment garder... essayer de garder votre... votre réanimateur... jusqu'au manche où vous avez au minimum 250 pour l'hélicoptère. Et puis si vous avez déjà un cocktail, bon bah c'est déjà pas mal. Même normalement avec les matériels normaux que vous avez depuis le début, normalement vous pouvez vous réacheter. Je vais pas y arriver. Vous pouvez en réen récupérer dès les premières manches ou quoi que ce soit. Vous pouvez directement vous en racheter. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà 30 en matériel supérieur et 1100 en matériel normal. Donc voilà, quand vous avez déjà du matériel normal, vous pouvez déjà vous acheter des cocktails, déjà pas mal de cocktails je crois. Donc 3 cocktails par machin. Alors je vais faire gaffe, on est à manche 8. Je commence un peu à... Et en plus de ça, ça fait un petit moment que j'avais pas... que j'avais pas joué en zombie, donc je suis un peu rouillé comme dirait l'autre. Hop, voilà. Alors là... Oula. Hop. Ce qui est le plus compliqué, c'est quand même le matériel supérieur. Vous pouvez en avoir pendant des manches, vous allez en avoir 2, 3, 4. Et pendant des manches, vous allez rien avoir. Pendant 2-3 manches, vous allez rien avoir. Et ça, c'est chiant parce que clairement. Hop, une petite bombe qui vous fait quelques points en plus. Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir le maximum de cocktails, quand même, que vous en ayez 3. Quand même, c'est pas si cher que ça normalement. Normalement, ouais, vous pouvez en avoir 3 et c'est 500 de matériel, donc clairement vous pouvez en prendre un. Et pour avoir un kit réanimation, c'est 500 de matériel. Ouais, c'est 500, j'ai mal vu. Très très dangereux, voilà pourquoi. Alors j'ai mis ma render distance un peu plus correcte parce que j'avais du mal à gérer avec les zombies pendant un moment et j'arrivais plus à, quand je passais à côté d'eux je me prenais toujours une claque. Maintenant j'arrive déjà un peu mieux, voilà, je l'ai un peu remis correctement parce que sinon. Donc manche 10 là, je laisse un zombie. Je laisse un zombie. Je me laisse un zomblard. Il y a un kit de réanimateur là. Ah putain. Ils sont un peu plus vifs là. Je suis un peu plus vif là les gars, dites donc. Ça devient dangereux là. Les singes, ils ont rien laissé. Oh! Par contre, vous prenez une claque quand vous mettez un coup de couteau comme ça. Faut faire attention. Joue au con, pas trop non plus. Hop, hop.
Donc il n'en reste plus qu'un. Là, vous sprintez jusqu'au générateur. Normalement, il n'est pas trop rapide encore. On mange 10. Comme ça, vous faites le nécessaire pour tout. Vous pouvez réactiver le courant, tout ça, pour ceux qui ont, l'habitude. Hein, parce que trop... prendre trop de temps, ça va 5 minutes. Allez, sésame. Donc comme vous le voyez là, normalement il y a la petite icône de l'autre là qui s'installe. On l'entend pas, c'est tant mieux. Parce que clairement, sinon on les entend pendant 15 jours discuter de leurs soucis familiaux. Comment va Gertrude? Très bien. Alors je sais pas, moi mon ami a plus de facilité en normal, en solo, que moi pour le moment je l'ai pas encore réussi ou quoi que ce soit, donc je sais pas du tout comment ça fait, je sais pas du tout si c'est le même procédé ou quoi que ce soit. Allez Gruto. Parce que si l'autre il arrive, ben voilà. Un jour après. Une claque, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Bon, c'est pas grave pour moi. Hop. Je crois bien qu'il est du côté. Ouais, en plus de ça, il est de l'autre côté. Alors n'hésitez pas à casser les cristaux, parce que les cristaux vous pouvez trouver un peu de tout. Donc, des matériaux normaux et des matériaux supérieurs qui sont un peu plus rares. Vous pouvez aussi trouver, comme dirait l'autre, des atouts comme celui qui est là-bas. Là. Alors vous pouvez aussi trouver des balles, c'est sûr, hein, mais... le mieux c'est de trouver. Voilà, bah. Là je suis un peu dégoûté parce que j'ai déjà quand même un réanimateur. Vous pouvez aussi retrouver des réanimateurs. Alors bien sûr il va despawn, mais bon. C'est pas le but d'essayer de mourir ou quoi que ce soit. Donc hop. Je vais déjà pouvoir améliorer mon arme. Oh bon, moi je vais améliorer mon arme directement, essayer de récupérer un gilet pare-balles. Hop, hop. Bon bah là je peux rien faire parce que je l'ai amélioré deux fois. Je vais essayer de me faire un petit gilet pare-balles, voire deux si je peux. Voilà. Donc là normalement, voilà, vous avez 140, j'ai 140 et 200 normales, donc bon, les normales, normalement, vous n'en avez pas l'utilité plus que ça, mais c'est quand même d'avoir les matériels supérieurs, et normalement, comme disait mon ami, ouais, c'est vous gagnez quand il y a l'hélicoptère qui s'affiche, vous pouvez directement l'améliorer automatiquement. Plus rapidement. Putain, il y a un matériel supérieur là. Bon. J'ai déjà amélioré en deux fois, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Pour l'autre guignol qui va venir. Oula. Je vais essayer de récupérer le matériel supérieur. Je sais pas si en faisant des coups de couteau sur les chiens, ça doit être... Je sais pas si c'est la même chose.
petit conseil pour ceux qui se battent et puis qui activent le courant. Le gros déteste la foudre, déteste l'électricité. Donc le mieux c'est que vous ayez un truc d'électricité sur votre arme. Comme ça vous fait un peu plus de trucs. Et là on va moins jouer parce que apparemment voilà, il y a le gros qui est là. Le gros s'est pointé. Et on va arrêter de jouer à la dinette avec les zombies. On arrête de jouer à la dinette avec les zonzons. Voilà. Voilà. Attention derrière. Attention aux deux explosions des... Hop. Voilà. Vous pouvez toujours récupérer ce que vous avez à récupérer. Donc, toc. Alors, on va quand même regarder si... Voilà, c'est 250, donc on est... Moi, je reste dans le chemin comme un guignol. Le gars serein, il reste dans le machin. Alors, ils sont où les zombies? What? Je croyais que c'était un gros... sans mal. Comme j'ai dit, il faut arrêter de jouer à la dinette avec les zombies. Sinon, ils vont faire mal. Alors clairement, je l'ai jamais fait, hein. Je vous le répète, je l'ai jamais, je l'ai vraiment jamais fait le... Le procédé de triche, ça va être la première fois que je le devais le tenter. Donc clairement, si j'y arrive du premier coup et puis que voilà, voilà, ça peut aider certaines personnes, par exemple ceux qui en ont marre d'être vraiment sur cette map et puis que voilà, même moi, clairement, je vous le dis, moi, je viens sur cette map, c'est juste pour me faire XP les armes et ainsi de suite, mais. Taillot. Alors attention, moi mon gros défaut c'est d'aller dans les arbres, comme vous l'avez remarqué. D'aller dans les arbres et puis de pas faire attention au mur. Et ma caméra part en cacahuète. Cacahuète. Hop. Qu'est-ce que c'est? Vous cherchez bien. On est à 230. Putain. Donc normalement, ouais, avant la manche 17, normalement vous pouvez le faire. Et clairement, entre le moment où vous finissez la manche et le moment où il faut pas le faire quand il y a le boss. Donc le gros, comme je l'appelle, le bulldozer.
Attendez, on va les faire tourner un coup. Putain, il me saute à la gueule. Saleté de playboy. Et bah voilà, ça c'est fait, ça c'est gratuit. Super, et puis en plus ils font une réanimation, ça c'est pas cool. Alors là, ça va être un peu plus chiant parce que vu que j'ai perdu ma réanimation et et je sais pas si en fait on l'a perdu l'autre. Faut que j'aille voir si on a. Parce que là, le truc c'est que je peux avoir l'hélicoptère. Là, le truc c'est que si l'autre a despawn, et je pense qu'elle a despawn. La réanimation, donc normalement, ouais, elle a despawn. Elle a despawn. Comment je peux faire? Alors attendez, parce que là j'ai un zombie sur moi. On va déjà prendre le batcopter, comme dirait l'autre. Et il faut 250. Ah putain, il faut 250 de réa. De trucs comme ça. À part si 160. Ah la vache. Le truc, c'est que là, ça va me repousser, repousser. Bon, comme dirait l'autre, c'est soit j'ai de la chance de... Et j'arrive à avoir les 250... ou je meurs. C'est aussi, aussi rapide que ça. Et vu comment je suis... Putain. Le truc, c'est qu'ils ont tellement de points de... Ouais, putain, là, le gros... Taillot. Taillot. Le truc, c'est qu'ils ont tellement de points d'apparition, que vous soyez en bas, en haut... voilà, c'est... voilà, c'est tellement... Ils ont tellement de points, et puis que vous ne pouvez... Donc c'est un peu chiant. C'est vraiment très très chiant quand vous essayez de faire un truc. Et le truc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus de points de spawn que qu'à l'époque. C'est ouf quoi. C'est un gros délire au niveau points de spawn. Niveau zombie, vous avez rien qu'au point de départ, vous en avez un. 2, 3, les 3, ouais, on va dire 2, 3, et merde, là le gros. J'ai presque plus de cartouches. Donc voilà, plus les trous, plus les machins, quand vous ouvrez une porte, voilà, c'est une chance sur deux que vous en ayez un derrière vous. Voilà, c'est vraiment très... Ta gueule, mon pote. Ah ouais, ça va. Je vais allumer les deux. Donc là, fin manche 17, normalement, je devrais pouvoir... normalement. Si je meurs pas. Oh lolo lolo lolo. Et les gars, vous êtes un peu nerveux.
Là c'était obligatoire que j'allais l'utiliser. Alors je sais que là ça m'a foutu un peu dans la merde parce que sinon j'espère juste qu'il y en aura un ou deux qui vont me filer un peu de matériel supérieur. Putain, j'ai perdu ma protection. Bon bah je suis mort. Bon ben en temps normal si tout va bien normalement vous quand vous arrivez à gérer même avant la manche 17 normalement vous allez avoir 250 de matériel supérieur en gardant bien correctement votre réanimateur automatique sur vous sans mourir comme je l'ai fait. Vous pouvez avec les matériels normal acheter des cocktails. Et tenter, alors c'est entre 21 et 40 je crois, que vous pouvez utiliser le copter. J'aurais bien voulu vous le montrer, mais voilà, c'est le jeu, hein, ma pauvre Luciette, et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Alors je sais, en temps normal, je suis pas très fan, et je suis pas fan des triches. Mais c'est vrai que cette map là, à force de le faire et de refaire et de refaire, même si vous faites des extractions et encore des extractions et encore des extractions, à un moment donné vous en avez jusqu'ici. Et moi je sais que là, ce procédé là, c'est vrai que pour au minimum améliorer vos armes que vous voulez vraiment améliorer, donc jusqu'en diamant, donc les lance-roquettes, les machins, les trucs, les couteaux, les ben rien que les même les rafales, les petits pistolets, les petits machins. Donc c'est vrai que ça peut être utile, c'est vraiment très utile, moi je trouve. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Dites-moi en commentaire si vous avez bien apprécié cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Et demain live alors sur The Crew. Et peut-être pas sur Skyrim. Pourquoi? Parce que j'ai la map que j'ai rajoutée, que je vous avais dit. Je ferai peut-être un petit tour avec vous. Mais ça bug. Ça bug beaucoup. J'ai du mal à gérer le Skyrim en tant que même. Ça crash à tous les... Peut-être toutes les 20 à 30 minutes. C'est chiant. J'ai pas envie de vous faire des ellipses de live ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de couper au truc. Donc clairement, je verrai bien, là il faut que j'aille retourner dessus pour voir si je peux un peu plus booster le truc ou pas du tout, si je verrai, ou sinon dans ces coups de temps là, on ira faire un tour et si je vois que ça craque.